Alors là aujourd'hui en fait on est sur le centre de loisirs de Mulsanne, qui est une commune périphérique du Mans, un centre de loisirs qui est adhérent au Franca depuis de nombreuses années et qui s'est associé avec nous et d'autres centres de loisirs sur une journée intercentre. Alors le projet de l'intercentre, on le porte au sein des Franca de la Sarthe depuis 3 ans maintenant, ça va être la 3e édition. L'idée c'est de se faire rencontrer des enfants sur le temps d'été, des enfants de différents centres de loisirs de la Sarthe. Donc 4 centres de loisirs, ce qui correspond à des enfants de 6 à 12 ans et à 130 enfants réunis aujourd'hui. Le centre de loisirs de Montbiseau, le centre de loisirs de Lège, association Lège, loisirs enfants jeunesse, qui regroupe 3 communes, Pruyé-Chétif, Étival et Saint-Georges-du-Bois, et puis le centre de loisirs d'Allonne. Donc sur la journée aujourd'hui, les groupes sont arrivés entre 10h et 10h30 puisqu'ils viennent d'un peu partout dans la Sarthe, le temps de se déplacer. Sur la matinée de 10h30 jusqu'à 12h30, on a le temps de jeu où les enfants animent leurs jeux préparés dans les centres en amont et où ils l'animent pour les autres enfants. Puis ils s'entraînent également dans son loisir à expliquer les règles. Puisqu'ensuite, pendant la journée d'intercentre, sur la matinée notamment, les enfants installent leur stand et ensuite, ce sont bien les groupes d'enfants qui vont animer leur jeu et en même temps aller jouer au jeu des autres. En fait, tu lances dans le truc, dans le bateau, tu fais ça. Et en fait, tu gagnes en fait un point et tu dois tenter 2 chances. Si tu gagnes tes 2 chances, tu as 2 points. D'accord. Une chance. Et c'est là qu'on est vraiment dans les démarches qu'on peut défendre, nous, au niveau des Franca, notamment sur la participation des mineurs. C'est-à-dire que là, on a bien les enfants qui vont être acteurs de leur loisir puisqu'ils l'animent, ils ont préparé l'activité, ils l'animent et ils la présentent à d'autres enfants. Du coup, ça les responsabilise dans la création d'une activité et puis ça les valorise étant donné qu'ils ont travaillé un petit peu en groupe. Et puis, le fait de voir les autres enfants jouer aux ateliers qu'ils ont préparés, c'est valorisant. Ce midi, un temps de pique-nique collectif tous ensemble. Et puis sur l'après-midi, suite à la rencontre des animateurs début juillet pour préparer cette journée, il a été décidé de proposer aux enfants un grand jeu sur la thématique des Olympiades. Donc on a choisi un thème, une fabulation. En fait, la fabulation, c'est les dieux grecs qui sont très en colère parce que Poséidon s'est fait voler son eau. Du coup, il propose aux enfants différents ateliers qui représentent les différentes disciplines olympiques. Et à la fin, au terme de chaque atelier, ils vont pouvoir récupérer un petit peu d'eau de Poséidon qu'ils vont devoir vider dans une cuve et atteindre un certain niveau pour apaiser la colère des dieux et afin de ne pas annuler les Jeux Olympiques. Chaque équipe représente un pays et on a choisi de faire des équipes mixtes. Donc dans chaque équipe, on va retrouver des enfants de chaque centre de loisirs pour favoriser les interactions entre centres de loisirs. Il y aura différentes épreuves tout autour de vous. Sur chaque épreuve, il y aura un dieu. Vous allez devoir prendre l'eau que l'on va vous donner et la ramener dans la cuve. Et c'est parti. Ah, 2-0 pour les Grecs. Allez, sur le mont, c'est la Grèce. Vous venez de quelle épreuve? La lutte. Daniel, vous venez de la lutte. Du coup, vous allez aller. Chine, c'est la Chine. Chine, vous avez fait la lutte là. C'est bien la lutte? Vous avez gagné? Il y a quoi? C'est pas. Poséidon, en fait, il a perdu toute son eau et faut essayer de le remplir en gagnant les Jeux. Parce que sinon, les Jeux Olympiques, comme ça commence demain, ils ne vont pas commencer. Est-ce que vous vous êtes amusé? Oui. Est-ce que vous vous êtes vraiment amusé? Oui. Cette épreuve a été réussie, vraiment réussie, ce qui fait que les Jeux Olympiques
ne sont plus annulées. Bravo à vous. Le rôle et la plus-value des Francas là-dessus, c'est plutôt de. C'est le Francas en Francas Association qui va mettre en réseau ses adhérents collectifs, ses centres de loisirs qui partagent nos démarches éducatives, les mettre en réseau pour pouvoir justement mettre en place cette journée intercentre. Les Francas sont un peu coordinateurs de tout ça parce qu'ils mettent en lien les différents centres de loisirs. Ils nous apportent une aide pédagogique au niveau du matériel, de l'organisation, leur présence qui est assez importante. Et puis voilà, on défend un peu les mêmes valeurs, surtout sur ces journées-là, surtout autour de la participation et puis l'échange qui est important entre les centres de loisirs. Ça fait 3 ans qu'on met en place cette journée intercentre. Le premier objectif au départ était vraiment de mettre au réseau les différents centres de loisirs et puis de se faire rencontrer les enfants. Sur une journée temps fort. On a pu s'apercevoir également d'autres intérêts qui apparaissaient de cette journée intercentre, c'est la rencontre entre les directeurs sur un temps d'action, d'activité. Généralement sur cette journée-là, les directeurs ont toujours un moment où ils vont échanger un peu sur leur fonctionnement, voir un peu les locaux utilisés et constater les différences, les avantages, les inconvénients. Bah c'est bien, c'est marrant. En fait, c'est un petit peu épuisant. Ouais. C'est drôle, c'est les jeux qu'on n'a jamais fait. Ça permet de se connaître un peu mieux avec les autres centres et c'est sympa.